Alors, heureux de vous retrouver en hein, ce jeudi 19 septembre 2019, 10h56, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une source d'information inépuisable grâce à tous nos abonnés qui collaborent et qui nous envoient plein de liens, vous n'allez vraiment pas le regretter. Je reviens sur cette histoire hein, de, du Pentagone qui confirme, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages hein, qui m'inciter à parler un peu plus de ça. Moi, j'ai toujours eu un intérêt, comme vous, pour les ovnis, les objets volants non identifiés. La vie à l'extérieur de notre système solaire, de notre planète. Y a-t-il une vie Sommes-nous, nous-mêmes, des voyageurs C'est quoi les origines de la vie, on ne sait pas. Il y a tellement d'hypothèses. Pourquoi on s'en remettrait juste, à, par exemple, les livres saints, la création via euh, Dieu sur Terre en passant par Adam et Eve et ainsi de suite, ou d'autres, la théorie du Big Bang et de l'évolution. Qu'est-ce qui est plus crédible L'une que l'autre Ou même d'une histoire qui pourrait être que, oui, Adam et Eve, donc les premiers qui sont arrivés sur Terre, sont arrivés ici par hasard, hein? dans un accident, d'un vol interstellaire. Pourquoi pas Donc, tout est possible. En 2019, je peux vous dire une chose, toute l'histoire est remise en question sur tous les aspects les plus euh, étranges. Et j'en viens des... Je de, des fois, j'en je fais, euh, je, je, fais un petit saut dans, par exemple, euh, l'histoire des pyramides, du sphinx, qui daterait de beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi qu'on revit souvent les mêmes événements. Enfin, tout est possible. Mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. Là, je vais juste vous parler de... Ce que le Pentagone nous a annoncé via Tucker Carlson, que je vous ai partagé, hein, son, une, une partie de son émission d'avant-hier, et qui a eu beaucoup de réactions, où on avait Nick Pope, hein, un ancien euh, membre du gouvernement britannique, qui euh, s'intéresse à ce sujet-là. Et on a aussi maintenant, hier, imaginez-vous, le concurrent de Tucker Carlson à CNN, hein? Anderson, Anderson lui-même, Cooper, qui lui aussi, ah, fait référence à cette nouvelle-là le lendemain. On va aller voir ça ensemble. C'est juste pour vous démontrer à quel point maintenant on est moins gêné. Hein? Il y a une époque où c'était gênant de dire oh moi je crois dans les extraterrestres ou les ovnis, tout le monde se faisait ridiculiser. Mais maintenant avec la quantité de témoignages visuels. Surtout depuis l'arrivée de ces fameux téléphones qui sont comme un appareil photo que tout le monde a. On a plein, plein, plein de partages, d'histoires, de, de, de témoignages visuels. Alors on a même ces témoignages-là qui nous viennent de membres de la marine ou de euh, des forces de l'air américaines. Et on ne peut plus les nier parce que ces gens-là parlent et parlent, ils font des rapports. Et ces rapports-là sont divulgués. On va aller voir ça ensemble. Ce que Anderson avait à raconter. Monsieur Anderson Cooper, hier. The US Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. They, these uh, the several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. Donc, à la demande de plusieurs, souvent, je, parce que je vous fais des traductions, souvent je fais les, juste rouler un peu puis. Je traduis, les gens m'ont dit, laisse-le rouler un peu plus longtemps, puis fais une traduction après. Donc, Anderson nous dit que maintenant, des événements qui ont été, dont des pilotes américains ont été témoins, ont été rendus publics, et que le Pentagone confirme que on a affaire à des, maintenant on appelle ça des phénomènes aériens non identifiés. More now from Randy Kay images of that rotating thing captured by us navy aircraft sensors locking in on the target commander david saw it firsthand during a training mission describing it like a 40 foot long tic tac maneuver. donc dans les, ces images là qui ont été filmées par des gens de des pilotes on le décrit comme étant une espèce de tic tac le fameux bonbon tic tac là, en forme euh, de tube ovale de 44 à 45 pieds de long ça, ça a été filmé par l'armée américaine. Et qui bougeait d'une façon, mais vraiment rapide, une vitesse à laquelle on n'est pas habitué, et changeait de direction vraiment de façon vraiment aussi rapide. Ça défie toutes les lois de la physique. Ça, c'est le fameux pilote en question, David Fravor. Et un objet oblong pointant nord. The object was first sighted in 2004. Then similar objects again in 2015. Et des en 2015 aussi ont été, euh, Footage of the sightings declassified by the military weren't made public until December 2017. By the New York Times. And a group that researches UFOs. Et par, par le New York Times, il y a un groupe de gens qui s'intéressent et naturellement qui font des recherches sur les, sur les objets volants non identifiés. Il y a une fleet de gens qui sont en ASA. Oh my gosh! Ils all going allés contre le vent. Le vent est 120 mètres de l'ouest. C'est un gros outil, dude! C'était extrêmement abrupt comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur. Hein? Vous savez, c'est quoi une balle de ping-pong? C'est comme un peu rigide, là, puis il y a de l'air là-dedans et ça rebondit vraiment de façon rapide. Il dit, ça fonctionnait comme ça. Il dit ça, c'est parti comme de 0 à 12 000... 12 000 pieds en deux secondes. Euh, wow! C'est vraiment rapide. Disappear is something I had never seen in my life. Et dit après ça c'est disparu, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. The Navy says it still doesn't know what the objects are and officials aren't speculating. A Navy spokesman simply confirming to CNN, the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena. Donc le pentagone confirme qu'ils sont là ces objets-là qu'ils ont été filmés, qu'ils sont réels et qu'on sait pas c'est quoi et qu'on les appelle des phénomènes. Imaginez-vous des phénomènes aériens non identifiés. Ou Or UAPs. Or UAPs. Là maintenant, c'est la nouvelle appellation. On change de UFO, un, Unidentified Flying Object, to UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ah, wow. The UFO reports were first investigated by a secret 22 million dollar program. Donc ça, ça a commencé à être enquêté avec un budget, un programme spécial qui avait un budget de 22 millions de dollars sur ces menaces aérospatiales avancées qu'on les appelait. Depuis, le programme a été fermé. On l'a annulé. On l'a simplement arrêté. Mais un de ces militaires qui était dans ce programme là financé par le gouvernement a avoué candidement que dit on n'est probablement pas tout seul dans l'univers. Wow. Donc je sais que ça vous intéresse moi aussi. Puis on s'en va de plus en plus vers une évidence même, que probablement, ça n'enlève rien aux, aux questions de foi qu'on peut avoir en, en Dieu, mais de penser qu'on pourrait être seul dans toute cette immensité-là, c'est vraiment, waouh, c'est prétentieux. Ou je ne sais pas, c'est vraiment enfantin. Une soucoupe volante extraterrestre repérée dans le ciel de New York. Une preuve irréfutable. Une soucoupe volante extraterrestre repérée dans le ciel de New York. Un ovni a été aperçu en train de survoler les Hamptons dans l'état dans de New York et a annoncé un, un ufologue controversé. Scott Waring, ex uh, Waring expert auto autoproclamé en ovnis, s'est rendu euh, sur son blog et euh, qu'on appelle... Etdatabase.com pour spéculer sur la vidéo amateur intrigante qui aurait été prise à Long Island, New York. Waring commence par fournir le récit du témoin oculaire de l'observation présumée de l'OVNI et il dit Cela a été capturé le 12 août à l'est de Long Island. Donc, je vous laisserai le lien de cet article-là ou de ce petit bout d'information-là du Nouvel Ordre Mondial dans laquelle vous avez la vidéo. Vous pourrez aller voir ça. Mais vous ferez une idée euh, de ce que ça peut être. Je vous laisserai juger. Mais pour ce qui est de l'histoire du Pentagone, ben CNN aussi hier dans l'émission de du Beau Anderson Cooper, ben y en était question. Mais on appelle ça maintenant unidentified, a real Est-ce que ça vous en dit plus ou non Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça va. Susciter d'autres réactions, mais ça semble de plus en plus évident, selon même ce militaire qui était dans le fameux programme hein, euh, de 22 millions qui étudiait les menaces non identifiées d'aérospatiales avancées, hein, un, un programme qui était financé par le gouvernement dans, à l'intérieur même du Pentagone, et là, ce programme-là qu'on a fermé un de ces militaires là qui était dans ce programme là a dit on n'est pas tout seul je reviens